Elle est démentable, de là où vous êtes. Vous allez bien évidemment avoir le bonheur de savoir si on entend ou s'il y a sûrement la musique très forte, de la diminuer. Alors, est-ce que l'on m'entend très bien? Est-ce que l'on m'entend? Comment? Vous êtes sur Zoom? 5 okay. Sur 5. Que Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue à ce moment. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, bienvenue? Tu peux dire à ton frère, bienvenue. À ta sœur, bienvenue. Même si tu es sur Facebook, tu peux aussi dire bienvenue à quelqu'un. Tu peux juste mettre en commentaire, bienvenue. Tu peux juste taper en commentaire, bienvenue. Je suis content de voir Madame Rachel, Boma et de vous. Mélida Rescat, que Dieu te bénisse. Bienvenue, welcome to you. Bienvenue, prophète. Bienvenue, Ariora, bienvenue. Chakra Degle et Oshi, Panama. Ok. Alors, j'aimerais que. Pendant 5 minutes, on puisse refaire l'exercice qu'on a eu à faire hier, parce que c'est là très tôt. Je voudrais que tu actives ton micro et que tu parles en langue. Juste pendant 5 minutes, il est à ma montre 7h19 du soir, 19h20, je ne sais pas encore. J'aimerais que tu te mettes à prier. Parle en langue, tu prie en langue avec moi. Si tel n'est pas le cas, tu te mets à parler à Dieu et tu lui dis ce qui te passerait par l'esprit. En d'autres termes, particulièrement, je te prêterai mes mots, que tu dises à Dieu qu'il te prenne de là où tu es, du niveau que tu as et qu'il t'emmène à un autre niveau. Est-ce qu'il y a des esprits qui m'entendent là, ici? Si tu m'écoutes, et me dire Amen, yes, donne-moi un signal, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose qui me fait pas que tu es. Amen. Voilà. Donc, j'aimerais déjà que ceux qui sont sur Zoom activent leur micro. Donc, activez le micro et priez ensemble. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, je précise une chose. Si vous pouvez vous retirer,
de là où vous êtes, mettez-vous dans votre coin. Quand il n'y a pas de bruit, on pourra prier ensemble. J'ai l'habitude de dire pour les gens de la maison que quand vous prenez le temps de vous connecter ici, si vous savez préalablement assurément que vous êtes sûrement occupé, vous avez des choses urgentes à faire, préférable concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous vous connectez, il serait aussi mieux que vous vous appliquiez. Enfin, c'est comme ça on dit, que vous vous appliquiez dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne vous dispersez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles apprenez à vous concentrer dans ce que vous faites. L'effectivité, comment ? L'effectivité n'est pas aussi du niveau de concentration que l'on met dans ce que l'on fait. Une femme enceinte ne peut suivre deux lièvres à la fois et en même temps désirer accoucher. Pourquoi ? Parce qu'elle est éprise par la douleur de l'enfant qui la contraint à se concentrer sur le fait d'extraire cette douleur. Et à chaque fois qu'on se rencontre ici ce soir, j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit quelque chose parmi lesquelles, premièrement, vous avez une douleur avec laquelle vous marchez quotidiennement. Et cette douleur s'appelle la rage de voir Christ, la rage de réussir. J'ai envie de te partager quelque chose, premièrement. Je voudrais que tu mettes dans ton esprit que tu dois réussir. Je dois connaître Christ et que tu transformes ce devoir en rage. Tu transformes ce devoir en rage, en obligation, à chaque fois que tu auras la grâce par Dieu de venir ce soir, comme nous sommes actuellement en culte. À chaque fois que tu auras la grâce de venir ce soir au milieu de nous, tu n'auras pas le choix que de te concentrer dans ce Dieu. Listen. Vous allez vous rendre compte, selon l'exemple que j'ai pris premièrement sur la femme enceinte, quand on a une douleur, on ne sait pas se disperser. Comment ? On va prier, hein ? On a déjà commencé, maintenant on va prier, on va prier. Est-ce que jusque-là on m'entend ? Est-ce qu'un esprit m'entend ici ? Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un une chose. Quand tu as la rage d'obtenir quelque chose, tu ne peux pas te permettre d'être dispersé. Une maman enceinte, une femme enceinte, a tellement la rage de son esprit. Cette rage, je peux l'appeler le désir de voir son fils pour sa vie. Cette rage, je peux l'appeler les douleurs, selon que les médecins disent. Elle est au travail, je crois, c'est quelque chose comme ça. Elle est en travail, je sens que. Elle est dans une phase de douleur où son corps est en train de lui faire signe qu'en fait, elle est dans une phase où le monsieur ou l'esprit qui est dans ton être va quitter d'un monde pour un autre. Et vous allez remarquer qu'une maman enceinte, premièrement, qui est dans une phase d'accouchement, elle ne peut pas faire deux liens à la fois. Elle ne peut que se concentrer. Mon esprit commence à s'ouvrir ici. Elle ne peut que se concentrer sur ce qu'elle doit faire, à savoir la question. Deuxième chose, quand on vient à vouloir l'imposer ou presque l'obliger à faire une chose qui est contraire à ce dans quoi elle voudrait s'impliquer, elle s'énerve ou elle pleure, ça dépend. Elle est nerveuse, elle peut commencer à s'énerver. Si elle est très sensible, elle peut commencer à pleurer. Parce qu'elle ne peut pas suivre que l'hier à la fin. Sur cette base introductionnelle, je crois, on dit ainsi, il serait important pour toi de comprendre que l'enjeu de ta destinée est tellement grand que tu ne peux pas suivre deux l'hier à la fois. Et toutes les fois où tu as la grâce, le privilège de te tenir ce soir, comme ce soir, dans un lieu de culte, que ce soit sur Zoom ou en présentiel, il ne faudrait pas que tu t'amuses avec ces instants parce que c'est ta destinée qui est en train d'être mise à niveau. Est-ce que je parle aux esprits?
Est-ce que je parle aux esprits qui sont ici? Écoutez, je vais vous raconter une histoire. J'aime beaucoup les histoires, j'en ai tellement. Mais l'histoire dont je vais vous conter ici, vous avez déjà eu vent de cela. Il s'agit d'une personne, en d'autres termes, d'un individu, masculin ou féminin, vous le saurez. Cet individu ou cette personne faisait face à certaines situations qu'il avait pratiquement obligé à vivre dans un contexte de quarantaine. Cet individu, cette personne passait par des moments très difficiles dans sa vie. Et ces moments l'ont obligé, à cause du contexte traditionnel dans lequel elle vivait, à vivre en quarantaine. Et il y a un jour où cette personne-là était sûrement assise quelque part. Et pendant qu'elle est assise quelque part, elle entendit le vent apporter le nom d'un homme. Donc, on nomma de Jésus. Est-ce que je parle à un esprit? Et quand elle eut vent du nom qu'on appelle Jésus, elle eut aussi vent de ce que ce nom pouvait apporter. Et un jour, cette personne se dit en elle-même, si je reste dans ma situation actuelle, j'ai envie de te dire quelque chose. Elle s'est dit, si je reste dans ma situation actuelle, assurément ce nom ne fait pas, ma situation ne changerait pas. Alors si je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, je dois établir un changement dans mes actions. Oh my God, j'ai envie de parler à l'esprit. La dame s'est dit, parce que nous sommes en train de vous parler ici de la femme à la terre que nous sommes, elle s'est dit en elle-même, s'il faudrait que je puisse expérimenter un changement dans ma vie, je dois d'abord établir un changement dans mes actions. Est-ce que je parle à l'esprit? C'est l'une des raisons pour lesquelles il est primordial pour moi de comprendre. Il n'y a pas de changement de vie sans changement d'action. Parce que la vie n'est que l'avalanche des processus que nos actions ont enclenché. Je vais te répéter ça. La vie, ce que l'on vit chaque jour, au-delà de tout ce que l'on connaît sur la vie, hein, mais quand je dis la vie, c'est-à-dire les événements, le monde dans lequel, tout ce qui se passe dans notre quotidien chaque jour, n'est que la commande, je suis en train de voir ici quelque chose, ça arrive, n'est que la balance des actions. Ou les conséquences des actions que l'on pose. Alors, il n'y a pas de changement dans ta vie sans changement d'action. De ta vie. Alors, cette femme à la perte de sens s'est dit. La culture dit, la religion dit qu'une femme atteinte de la perte de sens reste en quarantaine. Parce que selon la culture juive, quand une femme était dans sa période, elle était déclarée comme impure. Et il fallait qu'elle reste en quarantaine pendant près de 14 jours. La période de sang, et après de avoir la période de purification, ça faisait près de 14 jours. Or, cette femme-là n'avait pas atteint 14 jours. Elle avait fait 12 ans. Donc imaginez dans quelle dimension de solitude elle était. Est-ce que le menu introductif est consistant? Est-ce que le menu introductif est consistant? Je te pose une question. Est-ce que ton plat d'entrée est consistant? C'est le cas, dis-moi en français. La femme
enseigné. J'ai passé pratiquement 12 ans de ma vie dans la solitude. Parce que je suis dans une phase où les choses des femmes ont atteint une dimension extravagante dans ma vie. En ce sens que ce qui doit durer 7 jours, 14 jours, selon que vous connaissez, a fait dans ma vie 12 ans. Elle s'est dit, mais j'ai entendu parler d'un homme. Son nom, c'est Jésus. Et j'ai le choix. J'ai deux choix. Soit je me résigne en restant dans mon état, en posant tous les jours les mêmes actions que j'ai l'habitude de faire. Deuxièmement, soit je décide de faire face aux critiques, de faire face à la mort et d'aller toucher Jésus. Elle s'est dit, deux choses se produisent, deux choix. Le premier choix, c'est d'essayer de toujours faire les mêmes choses que tu as l'habitude de faire. Le deuxième choix, c'est d'essayer de faire ce que tu n'as jamais fait. Poser une action que tu n'as jamais posée. Adopter un langage que tu n'as jamais adopté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu entres à la vie souffre et l'ennemi super à ma touche. Les amis, il est important et crucial. Ce que je dis ici, on ne pourra jamais le dire haut et fort. On va toujours le dire. On ne pourra jamais le dire, c'est-à-dire, on ne cessera jamais de le dire. Vous devez comprendre, il n'y a jamais de changement dans la vie de quelqu'un si cette personne ne décide pas de changer d'abord. Qu'est-ce qui fait, oh my God, on doit prier, mais laisse-moi pour le ministre. Qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes dans leur vie spirituelle, dans leur vie maritale, dans leur vie relationnelle, vous n'avez pas de productivité? C'est parce que vous refusez de changer. Vous refusez de changer. Tu ne pourras jamais vivre dans une dimension excellente de Christ si toi-même, personnellement, tu n'expérimentes pas le changement. Est-ce que je peux te parler comme je le sens? Dis-moi, avance prophète, je vais te parler. Écoute. Je m'appelle prophète Asaph Hemel. Je suis fils unique du révérend Louis Gaston Jean. Je suis né dans les années 1900. Et je suis né comme un homme naturel jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, je suis peut-être comme un homme naturel, mais je ne suis pas un homme naturel. Et cette découverte s'est produite un jour qui paraissait naturel. J'en avais trop marre d'entendre parler de Jésus sans expérimenter ce Jésus-là. Si j'ai bonne mémoire, j'étais dans les années pratiquement 2012 par là, 2009-2012. Écoutez les amis, je suis né dans une famille pastorale. Dieu m'utilisait. Je me souviens, j'ai commencé à faire ma première délivrance. J'avais pratiquement 7 ou 8 ans. J'ai chassé les démons pour la première fois. J'avais 7 ou 8 ans. Dieu m'utilisait déjà. Je vois depuis que je suis petit. C'est-à-dire, je sens depuis quelque temps la longueur pour petit projet. On va vous choquer durant les moments à venir ici. On va faire les miracles. Ceux qui sont au Sénégal, préparez. Je parle sous l'onction de mes pères. On va vous montrer Dieu ici. Ah, est-ce que je parle chinois ou je parle russe? Je suis en train de dire, on va vous montrer Dieu.
la terre n'a jamais été si propice. Écoutez, la terre n'a jamais désiré voir Dieu comme maintenant. Laissez-moi vous dire une chose. Les nations ont la soif de Dieu. Ce qui se passe en Russie actuellement, ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est la soif de Dieu. Dans le nom de vous choquer, ce qui se passe même à Dubaï, c'est Dieu. On cherche Dieu là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller prêcher à Dubaï. Là-bas, il y a des millionnaires qui ont Christ qui peuvent voir. Ah, je parle à Dieu. Le problème, c'est que l'Église n'a pas aussi des milliardaires. C'est ceux qui font en sorte que les milliardaires païens n'ont pas des autres milliardaires pour les impacter. Mais je décrète et je déclare qu'à partir du siècle, les trois milliardaires, est-ce que l'Esprit me donne la main? Je décrète et déclare, à partir du siècle, les trois des milliardaires. C'est ça le problème de l'Église. Si l'Église avait des milliardaires qui habitaient à Dubaï, ces milliardaires-là devaient impacter la ville de Dubaï. Le plus souvent, on s'en va juste pour faire des photos, pour voir la ville. Mais quels sont les millionnaires qui décident d'aller rester là-bas, qui font faire des églises? C'est parce que la ville est chère là-bas. Mais il y aura des millionnaires à partir de cette Russie. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai encore une fois. Dieu m'a dit en 2021 que 2022, il va créer, il va élever une nouvelle race des milliardaires et des millionnaires. Bon, je ne sais pas à qui je parle, mais là je ne parle pas pour toi, je parle pour moi. Amen, amen, amen. Que quelqu'un aille, my God. Hey, ma fille a saisi. Je ne sais pas à qui je parle. This is your parole. Je suis milliardaire cette année. Amen, Dieu Catalambano. Oh maman, va monter ici. Je ne sais pas à qui, de qui il s'agit, mais il est important pour moi de comprendre cette année qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vent, qu'il tempête, qu'il grêle. Même si l'on vient à pousser, hein, je serai milliardaire qui m'occupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, écoute, quand je parle de milliardaire, peut-être toi tu as une histoire un peu compliquée, tu dis, mais c'est possible. Le Bible sait que rien n'est impossible à celui qui croit. En d'autres termes, ce qui limite l'opération de Dieu dans ta vie, c'est une dimension de croyance. En d'autres termes, plus tu crois, plus Dieu fait avec toi. En d'autres termes, la seule personne qui peut limiter l'homme, ce n'est même pas Dieu, c'est toi. En d'autres termes, l'homme est la seule personne qui peut amener à Dieu. Qui peut amener Dieu à briser tes limites et à refaire, à refaçonner, à revoir, à te répandre. Est-ce que je parle à un esprit? On parle là tout ça. L'homme est la seule personne, le seul être qui peut amener Dieu à se répandre. Rien n'est qu'un pouce. Et cette année, j'ai décidé de croire comme un malade. Permettez-moi l'expression. Je reviens sur mon témoignage. J'étais en année 2010-2012. Et je suis né dans une famille pastorale. Tu vois comment mon père chasse les démons, mon père prophétise. J'ai vu ça de plus petit. Mais Dieu m'utilisait. J'avais l'onction. J'avais la main de Dieu avec moi, mais je n'avais pas Dieu avec moi. Parce qu'il est possible d'avoir la main de Dieu sans avoir Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer ça. Avoir la main de Dieu, ça veut dire quoi? C'est faire les œuvres que Dieu peut faire au travers d'un homme. Mais tu peux faire les œuvres de Dieu sans avoir Dieu. Parce que je suis né sous une onction pastorale. Donc, je prenais sur l'onction et l'alliance que mon Père a avec Dieu. Mais pour autant, je n'avais pas Dieu. Parce que la preuve, on pouvait prier ici, on le met la prière ici, j'étais presque une fin de prière. Mais après, on pouvait regarder des bêtises comme ça. On pouvait draguer un peu ici, essayer quand même de faire des choses. Et Dieu nous a toujours protégés. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai donné ma vie à Christ vers. Moi, j'ai même donné ma vie à Christ beaucoup de fois. Dieu, là, il a beaucoup d'aimé, il n'a pas. 2007, 2008, 2009, une autre croisade, j'ai donné encore ma vie. Il y a plusieurs personnes qui étaient comme moi ici. De 2012, si m'a encore donné sa vie à Christ, si m'a encore donné ma vie.
Il y a plusieurs personnes là qui ont beaucoup de vie à Christ. Et en 2012, j'avais pris une résolution. Parce qu'en 2012, j'étais en classe de, je crois, de cinquième par là, si j'ai bonne mémoire. J'ai eu mon bac en 2018. En 2012, j'étais en classe de cinquième, quatrième. J'étais en train de me préparer parce que dans la classe de troisième, j'allais laisser les parents. Parce qu'on était à Mouila, on était à Mouila, pour ceux qui connaissent. J'allais laisser les parents, j'allais aller à Libreville. Je suis des Capots, j'allais aller à Libreville apprendre. Au lycée national Capots. J'ai un bac électromécanique, F3 pour ceux qui connaissent. Je suis allé à Capots, je n'ai nullement été influencé par Capots, mais j'ai influencé Capots. Je crois qu'un chrétien peut être là où il y a la masturbation et l'influence. Tout dépend de ton niveau et ton degré de puissance. Écoutez, 2012, je commence à me dire dans mon esprit que je dois connaître Dieu. Je me dis, je dois connaître Dieu. Il y avait une soif en moi. Et Dieu m'a connecté avec un homme qui est mon mentor. Peut-être qu'il est connu ici, il s'appelle James Combina, il est à l'époque déjà. Et c'est un seul. Et avec lui et plein d'autres personnes, j'ai un socio-sias André qui est à Dakar. André à Dakar, le bassiste. Il y avait pas mal de personnes. Joseph, parce qu'il est à Dakar. On allait prier sur les montagnes. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait même ceux qui sont au Gabon, à l'église, un chrétien d'Aoubou. Il y avait Anaïs, il y avait Exocé qui s'est marié. Il y avait beaucoup de choses. On était loin de vous. Et parmi le plus grand, j'étais le plus jeune. Et j'étais celui qui aimait Dieu, mais on ne savait pas où le cadrer. Parce qu'on ne savait pas s'il était pasteur, prophète. En fait, j'aimais juste Dieu. Écoutez bien ce que je chante. Écoutez bien. C'est là où le déclic va se faire. Et à un moment donné, Dieu, ce qu'on dit là, il m'aimait beaucoup. Hein. Il m'aimait beaucoup. J'étais vraiment intime. Hein. On allait prier sur les montagnes, chercher Dieu. Et je me souviens, une fois, on est parti. C'était vers le matin, je ne sais plus trop. On priait tellement. Et les oiseaux du ciel sont venus nous entourer comme ça. Et battaient les ailes en nous regardant. Vous n'avez jamais oublié ça. On était tellement prière. Et les oiseaux sont. On était sur une montagne. Donc imaginez, la montagne est là. Nous, on est ici. Et autour de nous, les oiseaux viennent faire un cercle. Et nous, et commencent à battre les ailes. C'était cool. Et je me souviens aussi ce jour-là, il avait plu, je sais plus un autre jour, il avait plu, mais sur la montagne il ne pleuvait pas, mais autour de la montagne il pleuvait, et il y avait un arc-en-ciel au-dessus de nous. Oh my God! C'est là où le déclic dans ma vie avait commencé. L'amour avec des choses spirituelles. C'est là où j'ai connu, j'ai senti que Dieu existait. C'est là où mon prophétique s'est ouvert. C'est là où j'ai commencé à naviguer. Je me souviens une fois, j'avais des expériences compliquées. Je dors, je ne mettais pas le détail de mon téléphone. Je disais seulement à Dieu, Père, remets-moi 3 heures. Ah, Père! Et pendant que je dors, à 3 heures d'attente, je dors, je suis seul sur mon lit. Quelqu'un me tape au pied en me disant, attaque, lève-toi, c'est l'homme à prière. Oh my God, Jésus est réel. Tu dors et puis tu vois quelqu'un, tu ressens la main de quelqu'un qui te tape. Au pied comme ça veut dire, lève-toi, c'est la prière. Ah! Est-ce que je parle à l'esprit? Pendant que je parle, ça me rappelle des choses. Et mon amour pour Dieu a commencé. Jusqu'à ce qu'un jour je dise à Dieu, c'est faible. C'est petit. Si j'ai commencé à dire à Dieu, c'est fait. Et j'ai dit, à cause d'une expérience qui s'est faite, j'avais rencontré une amie qui était malade. Elle avait une maladie, je crois, des reins. Pour ceux qui connaissent, une maladie des reins. J'ai oublié le nom. Une maladie rénale, quelque chose comme ça. Une maladie cérébrale, quelque chose comme ça. Et ça la prenait, ça la paralysait tout le côté gauche. Elle avait plus à marcher le ventre. Je l'aimais tellement que quand elle m'a dit ça, on s'est rencontrés en 2012 par là. Insuffisance rénale, merci ma fille. Ça m'a tellement sidéré, j'ai dit à Dieu, ça, c'est un signe que tu dois faire. La première fois, je ne suis pas chercher Dieu. 7 jours, sans manger, sans boire. Je m'étais enfermé dans la chambre de mes parents, parce que ce jour-là, mes parents avaient voyagé
Ils étaient partis au synode. Ils connaissent la confusion de l'alliance chrétienne. Ils étaient partis au synode. Je m'étais enfermé dans leur soif. Pendant 7 jours. Sans boire, sans manger. Est-ce que tu es prêt pour la suite? Est-ce que je peux t'annoncer la suite? Ce que je vais te dire sera grave. Si tu es prêt ou prête, dis-moi avant. Est-ce que tu es prêt à entendre la suite? Le fait que je me sois enfermé dans la chambre, j'étais le seul homme de la famille avec des aînés, mes grandes sœurs, avec des plus à l'une de mes grandes sœurs. Je parlais avec elle tout à l'heure. Elle avait vraiment des plus et elle n'avait vraiment pas aimé. Durant tous les 7 jours, elle venait cogner et ne l'ouvrait pas. Je ne l'ouvrais pas. Et le 7e jour, le 7e jour, je suis sorti, j'étais mince, pratiquement. Et ma grande soeur était vraiment fascinée. Mais quand je suis sorti de là, ce n'est pas ce qu'on dit, oh papa, j'ai le cœur de l'or, c'est pas ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand je suis sorti de ces deux, comment je vais vous dire ça? Je ne me posais plus la question, est-ce que Dieu me parle? Est-ce qu'il ne me parle pas? Je savais que Dieu me parle. Je vais t'expliquer. C'était plus... docteur, maman Candy, c'était plus... C'était... Dieu me parle. À quel point que je peux être là quand j'ai une pensée, je sais que là, c'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Je me souviens pendant que je priais, quand j'avais terminé les moments de prière, j'étais parti sur le boutique, je ne sais pas où, et mon mentor, dont j'ai dit James, avec quelqu'un d'autre, était venu me manquer à la maison. Ils sont venus me manquer et je n'étais pas là. Après, ils sont partis. Et quand j'arrive, on me dit, il y a tel qui était là qui t'a manqué. Et j'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, tu es parti où? On ne sait pas. Je vais te dire quelque chose. Allez, les beaux choses. Il est parti où? On ne sait pas. Donc, il est juste venu demander, est-ce que Azaf ne parle pas? On a dit, non, il est parti. Ok, ils sont retournés. Mais quand j'arrive, l'Esprit de Dieu me dit, hey Seigneur, on va monter cette année. L'Esprit de Dieu me dit, ils sont venus te voir telle chose, ils sont allés telle place. Va comme ça, tu vas les retrouver. En fait, comment tu sais que... Non, écoute. Quand Dieu te parle, tu sais. C'est pas des est-ce que non. Tu sais que là, c'est Dieu. Si tu arrives à la dimension, tu te poses la question, est-ce que c'est Dieu? Va seulement et élève le niveau. Si tu doutes, c'est parce que le niveau est bas. Va élever le niveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti. J'ai marché comme une personne téléguidée jusqu'à ce que je les retrouve. Et à un moment donné, j'étais même choqué. À tel point qu'ils se sont dit, comment tu as fait? Je riais seulement. Et au point où il en détient en disant, Azab, lui, quand c'est la nourriture, il peut détecter dans les choses parce qu'on allait un repas. Mais je n'étais pas informé. C'est-à-dire, je sors de la chambre. Ma grande sœur vient près de moi. Je sors de la chambre. Je ne sais pas quel est le geste qu'elle voulait faire, elle était tellement fâcheuse. Mais je dégageais la puissance de Dieu. D'un geste. C'est pas Naruto, c'est pas Sangoku, c'est plus que ça. D'un geste, j'ai senti et j'ai vu comment elle s'est projetée. Ce n'était pas consciemment. Mais il y avait quelque chose. Et depuis ce jour, thank you, docteur. Depuis ce jour, je marche avec la conviction que Dieu est réel. À n'importe quel moment, je suis prêt.
L'homme est là. À n'importe quel moment, je suis prêt. Je crois que Dieu est plus réel que le péché qui peut me séduire. Toi, ton problème, c'est parce que tu crois plus au péché qu'à Dieu. Je crois que Dieu est plus réel. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nullement quand Dieu crée Adam, il ne fait mention du diable. Nullement. La Bible dit créant l'homme à notre image, à notre descendance. Pour qu'il domine. Donc quand Dieu crée Adam et Ève, Dieu crée Adam pour que Adam soit comme Dieu sur la terre. Mais pourtant Dieu savait qu'il y avait déjà l'ennemi qui allait se lever contre Adam. Mais Dieu n'a jamais dit à Adam, fais attention, il y a pourquoi. Parce que ce que Dieu avait dit à Adam était supérieur à l'ennemi. Donc, pour Adam, l'objectif, ce n'était pas de chasser les démons, c'était de regarder Dieu. Ah, je parle aux esprits. Ton objectif, ce n'est pas de chasser les démons. Ce n'est pas le péché, la masse. Ce n'est pas ça. Si tu vois ça, tu considères ça t'impacte. Ton objectif, c'est de regarder Dieu. Ah, si je prêche ça en Chine, les Chinois ils se convertissent même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Le problème des chrétiens, malheureusement, c'est que vous regardez plus au péché, à vos limites, que de regarder à Christ et à celui qui est inutile. Le but de la création de l'homme, ce n'est pas pour chasser les démons, mais c'est de dominer sur la terre au travers de l'image de Christ. Ceux qui prennent note, prenez bien note. Le but de la création de l'homme, Dieu crée l'homme pour que l'homme gouverne sur la terre. Mais comment l'homme devrait-il gouverner sur la terre? En regardant comment Dieu gouverne au ciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Jésus vient, il dit, je le fais en sorte que je vois faire mon Père. Pourquoi? Parce que le premier Adam avait été créé pour copier Dieu. Le premier Adam avait été créé pour copier Dieu. Mais il a raté dans son processus. Et quand le deuxième Adam qui Christ vient, il dit clairement, voilà, je fais tout ce que je fais parce que j'ai été conçu pour le Père. Je ne fais que ce que je dois faire mon Père. En d'autres termes, je suis fait pour copier Dieu. En d'autres termes, je ne peux pas, est-ce que je peux parler? Je suis fait pour copier Dieu. Or, pour copier une chose, tu dois l'observer. Donc Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse passer le temps à regarder au ciel, elle a sa vie, elle a les pectoraux, même le couple là-haut. Là, comment l'homme guérit, il est masqué devant le monde, mais que les discussions. C'est pas ça. On t'a créé pour que tu copies Dieu. Et dans Dieu, il y a tout. Il y a même le mariage. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Tu veux savoir comment être une meilleure femme? Demande à Dieu. Tu veux savoir comment avoir un bon foyer? Demande à Dieu. Parce que Dieu, sans foyer, là, c'est compliqué. Mais malgré le foyer, comme le Dieu, c'est compliqué. Là, Dieu est toujours là, il est calme. Donc, va demander à Dieu, Père, comment toi tu fais pour gérer ton foyer? Il va te dire et tu sauras comment gérer le Dieu. Vous avez déjà vu Dieu aller se plaindre? Non, Père, toi, la femme que tu m'as donnée là, le gars, il est calme. Le mari d'aujourd'hui, là, compliqué. Non, ma femme, là, elle me manque de respect. Non, de tous les études, tu ne fais que manquer de respect à Dieu. Dieu, elle est certaine. La femme t'a parlé un peu, hein, tu te dis là, c'est moi l'homme. Tout ce que tu fais à Dieu, c'est plein. Pas facile.
Il y a quelqu'un, 2022, ce n'est pas 2021. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, 2022, ce n'est pas 2021. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé des objectifs. Je me suis lancé des objectifs cette année, 2022, 2023, 2024 et durant le reste de vie que Dieu me donne à vivre. Vous savez les amis, la vie est très courte. Hein? Je ne sais pas, mais depuis un moment, j'y pense. Mon père est né, pratiquement toute ma famille, ils sont nés au mois de mai. Mon père est né le 9 mai, le 13 mai, c'est l'anniversaire de l'aîné de ma famille. Le 15 mai, donc aujourd'hui là, c'est l'anniversaire de celle que je suis. Après le 15 mai, le 21 mai, c'est l'anniversaire de celle qui me suit. Le 24 mai, c'est l'anniversaire de ma maman. Moi, je suis le seul qui suis né en novembre avec une autre de mes grands-sœurs. Le reste là, c'est en mai, pratiquement. Il n'y a que moi, ma petite sœur, une grande sœur qui est en aînée dans l'autre mois. Écoutez-moi bien. Pourquoi je vous dis ça? Je parlais avec mon père et je lui ai dit ça plus tel âge. Il m'a dit là sur la rue, waouh, tu es en train de rentrer dans un autre. Il a fait un siècle de poussière. Il est en train de rentrer dans la moitié d'un autre siècle. Alors je parlais avec ma grande sœur, tu as plus tel âge, il m'a dit. Et je me suis rendu compte que, les amis, le monde là, la vie est comme ça. Je suis encore très jeune. Tu peux me croire comme tu ne peux pas me croire. Mais la preuve, regarde-toi. Essaie de penser quand tu avais 15 ans et regarde-toi quand tu es maintenant. Et imagine, tu vas fermer les yeux, tu vas ouvrir, tu vois, il y a 45 ans. Tu vas fermer, tu vas encore ouvrir. Tu auras 55 ans. Quand tu cliques toujours comme ça, 70 ans, tu es en train d'avancer vers l'âge d'état. Je ne sais pas si c'est d'état mort ou d'état, ça dépend. Si avec Christ c'est mort ou pas. En tout cas, tu es en train d'avancer. Regardez comment hier, on était au primaire, ceux qui ont pris. Hier, on avait 15 ans. Aujourd'hui, on est dans la vingtaine. Demain, on sera dans la trentaine. On va se marier. On va avoir des enfants. On va avoir nos enfants. Regardez comment la vie est comme ça. Je ne sais pas si vous constatez ça. Et la vie est tellement courte. Moi, je te pose la question, tu seras riche à quel âge? Aujourd'hui, tu as 25 ans. Même si tu as 18 ans, même si tu as 35 ans, la vie est tellement courte. À quel âge tu seras riche? Si tu passes ton temps à procrastiner, je vais travailler demain. Tu seras riche à quel âge? La vie est tellement courte. À quel moment tu vas te dire, je cherche Dieu sérieusement? La vie est courte. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un moment, c'est tout comme c'est dans ma tête. J'entends des décès ici, j'entends des choses ici. Tu réalises combien de fois, mais la vie est très, est trop courte. Elle est trop courte. D'abord, je ne dis pas que c'est ton cas. Tu ne sais même pas d'abord si tu vas atteindre 120 ans. Même 100 ans, tu ne sais pas. D'abord, même 50 ans, tu ne sais pas. Donc, tu es là comme ça, tu vis, tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te prendre. Il y a des gens qui savent. Donc, c'est la même personne que je connais. Donc, déjà, tu vis dans l'incertitude parce qu'à tout moment, tu peux partir. Deuxièmement, si tu ne pars pas à tout moment, c'est pas évident de nos jours avec tout ce que l'on mange d'atteindre 170 ans, même d'atteindre 120 ans, ce n'est plus évident. On mange trop des poulets, on mange trop, même les légumes, les viandes à fabriquer. À peine on a 45 ans, surtout en Afrique, la tension, l'eau, AVC, même le plus vieux a 20 ans. Il y a encore des choses qui me choquent ici. Depuis 20 ans, quand on est là, c'est AVC. On a la tension à 15. Tu as 20 ans, tu as la tension à 15, je ne sais pas combien. Tu fais comment? De nos jours, c'est risqué. Si
Vous me comprenez? Vas-y, écoute. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois chercher. Les chrétiens sont les seules personnes. Ceux qui cherchaient Dieu, c'est deux. C'est-à-dire, aime, c'est une autre personne, chercher Dieu, c'est une autre personne. C'est-à-dire, chez les chrétiens, on a l'impression que la vie spirituelle, c'est deux personnes différentes. Or, quand on va chez les musulmans, la vie spirituelle, c'est leur naturel. Chez eux, ils prient 9h, 12h, je ne sais même plus quelle heure, 16h, 18h. Eux, ils prient tout le temps. Le Coran, il faut les voir. Peut-être qu'au Gabon, ce n'est pas comme ça. Et ici au Sénégal, à un moment donné, là, il y a des périodes où dans ton quartier, il y a des périodes où je ne peux même pas faire les lives. Parce qu'en bas, je vous demande, ils sont en train de chanter. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, hein. Mais dans des pays, je crois, comme le Maroc, la Tunisie, où il y a beaucoup de musulmans là. À un moment donné, c'est fou. C'est toutes des choses comme ça. C'est pas, ils sont là pendant un long moment. Ils récitent le Coran. Ils récitent le Coran. Prends un enfant de l'école IM. Prends un enfant de l'école coranique. Mets-les ensemble. L'enfant de l'école IM, par la grâce de Dieu, il peut connaître 2-3 versets. L'enfant de l'école coranique. Là-bas, on les enseigne qu'avant l'école où tu pars, c'est d'abord le Coran. Ils ont les ardoises le matin, c'est écrit, ils écrivent en Coran. Je ne sais pas comment dire en Coran, c'est même quelle langue. En arabe. Ils ont, petit, tu les vois, crachat, la crème. Et ils prennent plaisir, oh my God, ils prennent plaisir à le faire. On les inculque ça depuis le passé. La plupart des musulmans qui sont venus à Christ, remarquez, ils ont les problèmes avec les membres de leur famille. Ils ont les problèmes avec les membres de leur famille. Si c'est la fille, elle a même peur de dire à papa, papa, j'ai venu à Christ, parce qu'on peut l'exclure de la famille. On peut la chasser de chez elle à cause de sa religion. Allez-y connaître l'histoire du pasteur Mamadou Karmeli. Allez-y connaître l'histoire du pasteur Raoul, de papa Raoul Wafou. Allez-y connaître l'histoire de papa Mohamed Sanogo. Ils vous diront. C'était pas facile. Et nous, les chrétiens, on a même honte de dire je suis chrétien. Aujourd'hui, quand tu es avec les païens, fais tes terres. Pas de la Bible, tu es chrétien ici, tu baisses même la tête. Tu as honte de dire je suis chrétien. Erreur, si tu es jeune et qu'autour de toi là, il y a au moins 5 boys qui veulent de toi. Oh, tu peux pas dire ça? Possible. Ouais, le plus beau de la classe veut de toi, tu as dit tu es chrétien. C'est impossible. Tu ne peux pas. Parce que tu veux aussi être dans le système. Et le système, c'est quoi? C'est marcher avec les nos. Indirectement, les histoires, les groupes qu'on voit la télé, c'est réel. Marcher avec les personnes influentes. Il y a ça dans les écoles, ça commence là-bas. Être dans le système, être aussi vu, être aussi considéré, être aussi chef des gangs. Et tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Est-ce qu'un esprit entend aussi la voix de Dieu? Ce n'est pas mon message. Mais Dieu nous emmène comme ça. C'est ça aussi la guérison et le surnaturel. Je disais à quelqu'un, on peut prier pour vous. Là maintenant, je rentre dans mon message, je crois que Dieu nous fera du bien. Encore presque 30 minutes. Je disais à quelqu'un, on peut prier pour vous. Mais si vous-même d'abord, vous ne désirez pas sortir, on ne peut pas vous aider. Je suis désolé par rapport au nouveau système ecclésiastique dans lequel on prend les hommes de Dieu pour des marabouts. Papa, là ma vie ça ne va pas.
Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Papa, excusez-moi, une attaque personnelle. Papa, je veux me marier, papa. Papa, je veux des enfants. Un autre exemple. Papa, je veux le travail. Papa, là, j'ai envie de rentrer dans les affaires. Je veux que tu pries pour moi. D'accord. Est-ce que c'est mauvais de demander la prière? Non. Est-ce que c'est mauvais de demander le soutien? Non. Mais ça devient mauvais de demander ça si tu sais toi-même que tu ne vis pas dans la sainteté. Tu viens dire, papa, prie pour moi pour que je me marie. Ok, on prie pour toi pour que tu te maries. Mais quand tu retournes, tu vis dans des moments compliqués. Le monsieur n'a même jamais fait la couille de ton père. Il n'a même jamais fait la prédote. On ne t'a jamais prédoté. Rien. Tu sais quelqu'un? Mais tu vis dans l'impudicité et puis tu veux compris. Papa, j'ai l'esprit de Marie de lui qui me dérange. D'accord, on prie pour toi, tu seras délivré. On prie 2, 3, 4 jours, ça ne vient pas. Tu retournes chez ton copain. Tu retournes chez ton copain. Là-bas, tu fais des choses compliquées. Après, tu te plains, papa, on a prié, l'esprit est venu. La question que je te pose, comment tu vis? Comment tu vis? Papa, je veux faire les affaires. Ok, tu as un capital, oui, on prie pour le capital, mais tu voulais dire que papa, le capital là, non? J'ai escroqué 5 hommes qui me donnent le capital là, celui qui me drague. Tu voulais dire ça? Mais toi, tu viens juste, papa, le capital, on va créer la société. Est-ce que vous voyez, en fait, d'où viennent les problèmes de plusieurs personnes? Et c'est ce qui fait que parfois, tu dis, je veux que ma vie avance, on prie pour toi, tu as du mal à avancer. Pas parce que Dieu ne peut pas faire non, mais parce que, en fait, tu fais et tu veux mélanger les choses. Mélange des choses. Hier, je parlais avec une de mes filles. Tu t'appelles le live. C'est un peu compliqué. Et il y a plusieurs personnes là qui sont. Papa, la prière, Tu viens de dire avec le prophète. Demain, tu vas voir un autre genre de prophète. Après-demain, tu vas voir un autre genre de prophète. Parce que la personne, non, moi, je suis pas féticheur. Moi, je suis, il y a un autre terme là. Elle est bio. Non, c'est pas bio. C'est un terme là. C'est bon. Traduit par simple pour dire, non, elle n'est pas la langue, mais elle fait seulement les choses avec la nature. Elle est traduit praticienne. Que le monde là c'est comme ça. Et après tu remarques 2, 3, 4 jours ça va, une semaine ça va, mais quand ça frappe là, là tu te souviens que non, là tu vas la limite. Ce que je veux que tu comprennes, c'est le temps de chercher. Il n'y a pas meilleur instant que maintenant pour chercher Dieu. Il n'y a pas meilleur instant que maintenant pour chercher Dieu. Je ne sais pas si vous sentez comme combien de fois la saison est trop haute pour Dieu. Il y a déjà guéri un malade par la prière. Tu es là, tu as prié pour le malade qui est guéri. Par la prière. Mets en commentaire moi. Ok, ma fille. Qui d'autre? Qui d'autre? 3, 4. Qui d'autre? 5, 6, 7. Qui d'autre? Ne mentez pas.
Qui d'autre? Il n'y a que 7 personnes. On est 27, donc il n'y a que les 7 personnes en haut là qui ont eu à faire ça. Ok. Vous avez eu à prier pour les malades et les malades sont guéris. Deuxième question. Qui a déjà eu à commander à une situation et la situation change? Par exemple, tu cherches le boulot, tu cherches un mari, tu cherches un homme dans ta vie et tu es venu, tu as dit au nom de Jésus, en loi, tu cherches les papiers, quel que soit. Tu t'es levé, tu as dit je t'en donne l'air et c'est parti. C'est les campés. Qui l'a déjà fait? Le passeport. Super. Je te bénis, Jésus. Qui d'autre? Mérite la rescate. Merci, Olivia. Qui d'autre? Ok. Gloire à Dieu. Je vous pose une question. Et là, moi, ma question va à l'endroit des dames qui sont en couple. Tu es marié, tu es en couple avec un homme. Si tu as déjà prié, que ces choses-là changent. Pourquoi tu ne commandes pas aussi que ton mari change? Pourquoi tu ne commandes pas que les esprits qui dérangent l'homme avec toi la changent? Ce n'est pas la magie. Je vais vous parler de ça ce soir. Ce n'est pas la magie. Maintenant, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre? Si quelque part on vous prêche tout le temps, abandonnez le péché, abandonnez le péché. Moi, je viens vous prêcher, vivez le surnaturel, vivez le surnaturel. C'est ça mon message. Moi, je viens vous dire, priez pour les malades, guérissez. Moi, je vais te dire, tu as le pouvoir. C'est ça, il n'y a que ça le message. Est-ce que Fleury est là? Le problème, ce n'est pas que vous doutez de vous-même. Moi, non. Le problème, c'est que vous êtes aveuglé par vos sentiments et vos émotions de colère. Et vos paroles. Le problème, c'est que parce que vous êtes trop familier ou familière avec votre conjoint, vous pensez qu'il ne va jamais changer. Il est comme ça, il est comme ça. Et vous voulez qu'il change comment? Ok, ma fille, je te vois. Commencez d'abord par changer votre façon de voir. Même s'il est fumé, je vous donne des cycles. Une démonstration ici. Même dans la voyance, c'est ça. Je peux commencer là maintenant, je le vois. Je peux décider ici, je commence ici. Je décide de voir et dans la vie de quelqu'un, je veux voir. Ça se passe comment? Quand je vois le nom de quelqu'un ici, je me prends un exemple. Caladabla. Mettez-moi un nom en commentaire. Un nom. Mettez-moi juste un nom en commentaire. Les noms de quelqu'un qui ne sont pas là. Pas ici. Quelqu'un qui ne sont. Les gens qui ne sont pas ici. Je vais vous montrer comment ça se passe. Là, Les gens aiment trop la voyance ici. Mal bon. Ok. Je vais prendre un nom au hasard. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est juste la décision. Tout commence par la décision. Il y a une Gladys ici. Mais je vois maman Karim Mildar qui a mis Gladys. Elle a mis Gladys. Maman Karim a mis Gladys. Je vois Mendes qui a mis Madison. Là, ça commence à se faire. Ne me dites pas. Ça commence comment? Je veux voir. Est-ce que vous voyez? Je veux voir.
Et parce que je veux voir, je regarde vos noms ici avec le désir de voir. Dieu te bénisse pour mon cœur. Je veux voir. Et parce que je veux voir, je regarde les noms ici avec le désir de voir. Et c'est ce qui fait que je peux me connecter maintenant à Gladys, qui est la nièce de maman Karine. Et je vois Gladys. Comment? Quand je dis Gladys, mon esprit va comme au Gabon. Je demande quel est le lien entre Gladys et le Gabon. Entre Gladys et le Gabon. Première question. Là maintenant, parce que je me vois, je commence à capter. Parce que là, on appelle ça la connectivité à la fréquence. Le flux n'est pas encore vraiment, vraiment stable. Mais quand parce que j'ai dit je veux voir, je commence à percevoir des choses. J'attends une réponse de moment dans mon carré. Dis-moi la vérité. Même si elle n'est pas au Gabon, il n'y a aucun lien, j'ai projet par rapport à ce que j'ai vu. C'est quoi le lien? Et une chose, deuxième chose, quand vous voyez, ne doutez jamais de ce que vous voyez. Même si tu dis, maman, je te vois, hein? Même si je dis la maman, quand je te vois avec ma bouche, non, c'est d'abord oublié. Est-ce que c'est ça? Proverbe, c'est pas ça. N'écoute pas. Dis-lui, maman, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre, mais j'ai vu ça. Si tu commences à faire, mais comment ça, tu ne vois pas? C'est pas un. Ah, peut-être c'est parce que c'est rouge, c'est rouge. Ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Tu commences à arranger. Tu tues et tu attristes les gens. Parce que dans le domaine prophétique, chaque message, chaque couleur a une signification. Maman Gladys, maman Ishikari, elle ne me répond pas du tout. Tu ne vois pas ce message. Je peux me connecter à qui ? Le ciel est ouvert. J'ai peur juste de rentrer dedans. Là, je vois Madison. Madison, je vois mes bestes. Je vois Madison ici. Je vois Madison ici. Je vois Madison ici. C'est un homme. Et quand je rentre dans la vie de Madison, je vais dans le domaine de la santé et je vais dans le domaine de l'emploi. Je suis Madison. Est-ce que mes bestes sont là? Parce que quand je parle de Madison, c'est fois deux, je vois le domaine de la santé, je vois le domaine de l'emploi. Le nom des Sénégal est au Sénégal. Est-ce que Madison est au Sénégal? Oui, non, il n'est pas au Sénégal. Quel est le lien qu'il a avec le Sénégal? Sa tante et ses cousins habitent ici. D'accord. Maintenant, pourquoi tu m'emmènes dans la santé? Et dans le domaine de l'emploi, je dis c'est dur avant que je n'entre. Ça fait quelques. Là, je comprends pas. Il a des problèmes de santé. Il a des problèmes de santé. Ouais, des fois. Des fois. Ok. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne sais plus. Là, je suis en train d'expliquer comment ça se passe. Maintenant, si je dis maintenant ici que je vois dans une autre dimension, parce que dans la branche, c'est ce qu'on appelle. L'intuition ou les sensations. Ça veut dire quoi l'intuition? Je prends un autre nom. L'intuition, ça veut dire quoi? Je vois. Je vois, j'ai l'image, je vois qui je vois genre. Quand maman Gladys met Gemma ici, Job, je vois comme si ce sont des enfants. C'est vrai. Maman Gladys, ce sont vos enfants. Oui, il y a deux de mes enfants dedans. Ok. Parmi les. Ok. Ok. Je n'entre pas en profondeur. Je lis juste les noms. D'accord. Est-ce que vous voyez la différence? Je regarde les noms avec le désir de voir et je vois. Et ce que je commence à capter, on appelle ça l'intuition.
ou du moins, comment je vais dire ça? C'est-à-dire, quand je lis ce mot, je capte les premières informations. Et si je n'ai que d'ouvrir, je vais ouvrir. Parce que pendant que je parle, mon esprit s'ouvre, c'est la fille de Jésus, j'ai marqué la fille. Et quand je vais chez Jemima, ce moment de la vie, mon esprit va comme donc. Elle est en quelle classe? Elle est à la grande session maternelle. Parce que mon esprit va au pré-primaire. Je suis avant les histoires des jardins. Bon, c'est là où on appelle ça le des jardins. Oui. Mon esprit parle là-bas. Oui. Mais pourquoi mon esprit parle là-bas? Parce que pendant que je demande, je suis comme en train de voir maintenant comme une fille. Je ne sais pas s'il faut dire timide. Elle est quelquefois chaude, mais elle est quelquefois timide. C'est pas pas bien. Je vois comme si Gemma a comme de la timidité. C'est-à-dire, elle est chaude comme elle est avec vous, mais c'est comme oui. Si à l'école, elle est un peu comme réservée, comme timide. C'est vrai, mes enfants sont comme ça. Et là, sa monitrice même vous a dit. C'est vrai. Sa monitrice même vous l'a dit. Que, mais pourquoi elle est comme ça? Est-ce qu'à la maison, elle est calme? Vous avez dit oui. Non, à la maison, elle est chaude, elle fait même le bruit parce qu'à la maison, elle est en détresse. Justement. Quand elle est à l'école, elle est un peu timide, elle est réservée. Vérité. Elle ne mange même pas. Et je suis même en train de voir. Là, je vois maintenant. Comme si quelque chose s'est passé où. Je ne sais pas, elle a pleuré parce qu'on a embêté, quelque chose comme ça, à l'école avec des amis. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend comment les choses fonctionnent? On a fait théorie, on a en fait pratique. C'est la même chose pour la prière. On ne va pas trop entrer dans le cours. Là, vous ne pouvez pas rester là-bas. Je n'ai pas envie de prophétiser. Je veux vous enseigner quelque chose. Et c'est comme ça que l'autorité de Dieu fonctionne. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur l'autorité du croyant. Donc, si tu veux voir un changement, tout se passe dans ton esprit. Je te pose une question. Ton mari qui te couvre, ton conjoint, hein, ton conjoint qui te couvre. Ok. Qu'est-ce que tu vois quand tu le regardes? Est-ce que tu vois seulement le brûleur? Ou est-ce que tu vois quelqu'un qui peut être aimable aussi gentleman? Quand tu sors, en fait, tu dis, chérie, attends, je t'ouvre la porte, monte, chérie, tu es belle, donne-moi, je porte ton sac. Qu'est-ce que tu vois? Il est marié que toutes les femmes, majorité, rêvent. Un mari qui te dit, tu es belle. Tu as ton majorité, il te dit, tiens. Mille là, avant les poches. Marcel, donne-moi ton sac, donne-moi ta main. Oh mon amour, tu es belle. Dans la voiture, on dit, attends, il ouvre ta portière. Entre, il ferme, il va y conduire pour toi. Eh bien, tu fais quoi aujourd'hui? Bon, on va aller manger au restaurant, je t'invite. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton mari? Si tu marches selon la conception selon laquelle lui, quand il va encore venir à 18h, là, il va encore dire, je n'ai pas préparé, il va encore bouder. Mais il va bouder. Ce que tu vois, et ce qui va se passer. Et pour ça par la diable. C'est ce que tu vois et ce qui va se passer. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des plus grands. L'une des plus grandes choses difficiles à accomplir pour l'homme, c'est de travailler sur l'esprit. L'une des plus grandes épreuves, c'est de travailler sur l'esprit. Madame, là le ciel est ouvert. Anastase. Aïe, ça coule de verre. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'intention avec laquelle tu fais des choses détermine la manifestation de celle-ci. L'intention avec laquelle tu fais une chose
j'ai comme l'impression que c'est comme si je parle et vous ne comprenez pas bien. La Bible nous a donné les choses les plus mystiques qui soient. Un homme a parlé. Je ne sais si c'était dans son corps, hors de son corps aussi, je ne le sais. Mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'il a mis ça sous l'onction. Moi, je crois que c'est sous l'onction. Et cet homme, c'est un philosophe. Il a dit une chose. Il a dit ceci. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les lois de l'univers. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi a deux choses. La foi a deux grandes rubriques. La première rubrique de la foi, c'est de t'emmener à connaître Christ. La deuxième rubrique de la foi, c'est t'emmener à te connaître. La foi te permet de connaître Christ, mais aussi de te connaître. C'est-à-dire que sans la foi, la vie chrétienne n'a pas de sens. Sans la foi, la vie chrétienne n'a pas de sens. Amen. J'ai découvert récemment que la foi était bouclier. Quand vous lisez le livre, l'épître, l'Éphésiens chapitre 6, où on parle de l'armure spirituelle du chrétien, des choses comme ça, on dit le point, le bouclier de la foi. Je peux le lire. On dit le prendre le bouclier de la foi. Donc, la foi d'abord est plus avantageuse pour celui qui a la foi. Et non pour la personne en fait qui manifeste la foi. Ephésiens chapitre 6. Je vais chuter par ici. Oh my God. À partir du verset 10. Je vais prendre le verset 13. C'est pourquoi prenez pour tout. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une ceinture. Et quel est le rôle de la ceinture? Ça permet à ce que le pantalon ne tombe pas, à ce que la jupe ne tombe pas, à ce que la culotte ne tombe pas. Deuxième chose, la ceinture aussi arrange le design. Troisième chose, la ceinture aussi est mise pour mettre aussi un peu le look devant. Belle ceinture avec une belle effigie. Les femmes, les ceintures que vous mettez ici, ça soutient les choses, certes, quand vous mettez des robes, mais ça permet aussi de sortir un peu sa phologie à l'extérieur. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ainsi, tu vas comprendre que quand l'ennemi te pousse, on t'étrangle la nuit, pose-toi la question, est-ce que j'ai la foi? Parce que la foi protège. La foi est un bouclier. La foi est un bouclier. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut être là comme ça. Oh my God, Princesse Cassa. On peut être là comme ça, pendant que l'on est en train de parler. Tu peux être chez toi,
Il est peut-être 22 heures. Tu dors. Tu sens dans ta maison des présences. Tu te relèves. Et puis tu fais ça. J'active le bouclier de la foi. J'active le bouclier de la foi. Et quand tu dis j'active le bouclier, dans ton esprit, tu vois le bouclier. Et après tu dors. Aucun esprit ne va te toucher. Ton mari, ton conjoint te fait les hop, 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 les hip, hop, hop. C'est pas grave. Dis-lui, ce n'est pas grave. J'ai l'armure avec moi. Sakaro de Gentele, Sikra Soto, Mana Radabase, Telede, Sipala Dabaso, Telemedo, Rebadabase, Telede, Ropala, Mano, Rodomo, Shedara, Nabaya, Rasima, Taradabase, Lebadabasu, Tayadabase, Telemedo, Leprus, Telemesi, Taila. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Tu me comprends. Avant de continuer, est-ce qu'on peut prier 3 minutes? Active ton micro et commence à parler alors. 3 minutes. Est-ce qu'on peut parler? Et dis à Dieu, je prends le bouclier là. Dis à Dieu, je prends le bouclier là. Parle. Je vais entendre des esprits en train de parler ici. La parte de Ele que deixa.
Amen. Et ce soir, j'aimerais que tu retiennes à lui de tout ce qui a été dit. C'est le bouclier de la foi qui te permet pleinement de rentrer dans l'expérimentation du pouvoir ou de l'autorité que Dieu a mandaté à son Église. Il me reste juste deux ou trois points par rapport à l'enseignement sur l'autorité du croyant. Et à chaque fois, j'ai du mal à entrer pleinement à l'intérieur de l'enseignement. Je crois par la grâce de Dieu que samedi prochain ou dimanche prochain, Dieu nous fera pleinement grâce de terminer cela. De toutes les façons, ce programme termine la fin du mois de mai. Donc, soyez là, on a quatre. On a 4 week-ends, on se voit tous les samedis et dimanches. Parce que juin, s'il y a quelqu'un, juin, c'est autre chose. Donc repose-toi, profite, mange. Ce qu'on va faire en juin, juillet, août, là, c'est autre chose. Là, je vais encore voir qui sont mes guerrières et mes guerriers. Qui sont mes guerrières et mes guerriers. Ceux qui sont à Dakar, on est en train de prier Dieu. Cette année ne va pas passer. Il y a un mouvement qui va se créer à Dakar. Il pleut, il neige, je sens ça dans mon esprit. Ne fût-ce qu'une seule fois par mois, on verra comment se rencontrer pour des moments glorieux dans la présence de Dieu, dénommé Allons-y à la montagne. Et je me permets de donner voilà, de décliner comment ça va se faire. Ce seront des moments où on viendra dans le but de chercher Dieu. On cherchera Dieu pendant une période donnée. On est déjà en train de rentrer. Je suis déjà en train d'essayer de rentrer en contact avec les bailleurs, ceux qui louent les salles. Ce n'est pas facile parce que normalement, dans mon esprit, selon que Dieu a mis dans mon cœur, c'est un programme de trois, voire une semaine. Donc chaque soir, on va se voir. Donc, ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont au Sénégal, ils savent que la location de la salle ici par jour, ou au moins par heure seulement, en l'espace de 3-4 heures, tu peux dépenser 200 à 350 000, presque. Donc, je ne l'ai jamais fait, je suis le oui-dire des personnes qui l'ont déjà fait. Et donc là, je suis en train de voir comment rentrer en contact avec maintenant les hommes, les messieurs qui louent les salles, pour voir dans la mesure du possible comment faire pour avoir la location d'un espace, d'une salle, même d'une cour, pendant une semaine, ou 3 à 4 jours, pour commencer avec des moments comme Allons à la montagne. Ce sont des moments dans lesquels on va prier pour les malades. On va guérir les malades par la puissance de Christ. On va enseigner la parole, mais par-dessus tout, on va chercher Dieu. Et ces moments vont se passer en soirée pratiquement vers 16, 17, 18 heures, pratiquement jusqu'à peut-être 1h, 22 heures, selon que Dieu nous fera grâce. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous qui soutiennent à l'international, nous ne vous avons pas oublié. Il y aura bel et bien... Il y aura des lives. Donc, nous serons connectés sur la page Facebook UTS Ministry. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y déjà vous abonner et connectez-vous.
il y aura des lives, et vous allez, on va participer à ces moments tous ensemble. Alors, déjà, je vous le dis, j'ai commencé à beaucoup prier pour ça, parce que à l'espace du budget de l'allocation d'un jour, vous pouvez déjà comprendre combien de fois une semaine, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, je vous demande de beaucoup prier par rapport à cela, afin que Dieu ouvre les portes. C'est pas un plaisir de le dire, hein, c'est un autre honte, mais bon. C'est cette instabilité financière-là, cette incertitude-là, fait en sorte qu'on ne peut pour le moment déterminer un mois, c'est-à-dire peut-être au mois de juin, au mois de juillet. Donc pour le moment, on ne peut le faire. De sorte que les éléments seront réunis, quand tout sera réuni, on vous dira à quel mois, à quelle date précisément, nous allons commencer les programmes, les pactes à l'extérieur. Donc voici ce que j'avais déjà à dire. Priez beaucoup pour cela. Et moi, je prierai pour que Dieu vous ouvre les portes des finances. J'ai cru que je parlais à quelqu'un de la maison ici. Donc, vous priez pour le programme. Moi, j'ai cru que Dieu vous donne les finances afin que vous nous aidiez à aller là en train de partir au nom de Jésus. OK. Donc, c'est ce que j'avais à donner. On se voit mercredi. Permettez-moi d'éclaircir encore une chose. ETS Ministry. ETS Ministry. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ETS Ministry? Et les nouvelles personnes assurément qui nous rejoignent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ETS Ministry est un ministère, comme le mot ministry le dit. Mais un ministère d'impact, de transformation et du surnaturel. Donc, ministère d'impact, transformation surnaturelle. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons chaque mercredi des réunions sur Zoom. Donc, nos cultes, nous les faisons sur Zoom tous les mercredis, à partir de 21h pour le moment. Parce que votre homme de Dieu qui vous parle, c'est un entrepreneur par la grâce de Dieu, c'est un étudiant par la grâce de Dieu. Donc, ces horaires de disponibilité, ainsi, vous comprenez pourquoi 21h. Donc, 21h du Sénégal, 22h du Gabon, actuellement aussi du Maroc, et 23h de la France. Maintenant, tout dépend par rapport au changement horaire en France, au Maroc et consort. Donc, chaque mercredi, nous avons nos cultes. Et durant ces cultes, on se voit juste une heure de temps d'enseignement. Donc, les mercredis, on est vraiment ancré dans l'enseignement. Je suis prophète du ministère, vous le savez. Dieu m'a fait la grâce de voir aussi ça, vous le savez. Et vous savez aussi que je produis sur l'enseignement d'abord, comparé à la voyance, à toutes ces choses. On aura le temps vraiment de faire toutes ces choses. Mais mon objectif ici, par rapport à ce ministère qui m'a été conféré à Dieu, c'est d'élever une église réellement établie et équilibrée. Alors, ce ministère a pour but de vous équiper spirituellement, mais aussi de vous équiper dans le contexte social. C'est-à-dire que nous aurons des thèmes comme le mystère de la nuit, comment faire grandir son esprit, naviguer dans l'esprit, comprendre les choses à travers l'esprit. Nous aurons aussi des thématiques comme l'importance de Facebook, les dangers et les néfastes de Facebook, les réseaux sociaux, comment faire pour impacter la société au travers des réseaux sociaux. Comment faire? OK. Comment faire pour impacter la société au travers des réseaux sociaux? Nous aurons des messages comme comprendre l'importance, par exemple, de la politique et le rôle de l'Église. Nous aurons des messages comme l'entrepreneuriat, le business, comment un chrétien peut influencer son entourage. Et ces messages aussi auront pour but de vous équiper pour vous emmener dans le domaine social afin d'atteindre non seulement la liberté financière, parce que moi je crois au Dieu de richesse, des millions, des milliards et au Dieu des milliardaires. Donc, je crois que nous, on n'est pas seulement là pour faire les ripopopo, les ribababa. Les sorts, je te chasse, mais on est aussi là pour dire, pour créer des êtres et des hommes millionnaires et milliardaires. Je ne sais pas si un esprit me comprend ici. Donc, c'est sur cette base que ce ministère est né, afin d'avoir un équilibre dans tous les domaines. Je pensais que très bientôt, nous aurons dans cette plateforme des personnes qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui viendront nous montrer comment elles ont fait pour réussir. Mais aussi, nous allons valoriser
les membres d'ITS, vous êtes là, vous êtes membre d'ITS, je connais déjà certaines personnes, vous avez votre business, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous faites la coiffure, manucure, pellicule. Je ne vois pas ma fille depuis un moment. Celle qui a ouvert son entreprise il n'y a pas longtemps, là, ma mère. À moins que tu sois là et que j'ai perdu le nom. Donc, quel que soit ce que vous faites, on va vous prendre, on va vous valoriser aussi. Afin que si vous êtes en France, que les chrétiens de la France viennent acheter chez vous. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que les musulmans fonctionnent. C'est comme ça que les autres font. Quand quelqu'un est nouveau, on va chez lui. Si vous êtes au Sénégal, on va vous prendre, on va vous connecter dans les églises. Afin de dire prochainement, si vous voulez vous coiffer, il y a telle personne qui fait dans la coiffure, mais voici les filles, les chrétiens qui font dans la coiffure, allez-y vous coiffer. Donc, quel que soit, tu fais dans l'import-export, parce que pendant que je passe, je vois des personnes en France et dans certains pays, Maroc, Sénégal aussi, vous voulez, vous faites l'import, amener la marchandise au Gabon, Sénégal. Donc, on va créer, oh my God, yes. On va créer des plateformes de telle sorte que, même depuis le Sénégal, on peut envoyer des affaires. Il y aura des choses qui vont se faire. Je ne vais pas tout dire, parce que ça fait partie du conglomérat. Je suis en train de voir comment mettre en place. J'en avais discuté avec certains de mes enfants. Donc, c'est un peu dans cette optique, parce que Dieu n'est pas seulement dans les rues, les rues, Dieu aussi, il est dans l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un esprit montant ici? Amen, amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. C'est ce que j'avais à donner comme annonce. Je suis en train de me battre dans mon esprit parce que le ciel est ouvert. Et si on commence à « je vois ici », on ne va pas aller loin. On va aller très loin aujourd'hui. Ce ne sera pas avantageux. Donc, il est important ici qu'on s'arrête là. Maintenant, voici les différents moyens par lesquels vous pourrez envoyer vos offrandes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Donc, vous pourriez envoyer vos offrandes par ces moyens. Ici, vous savez qu'ils sont au Gabon, il y a un moyen orange des mains. Et nous avons aussi nos numéros secrétariat en bas. Étant donné que nous sommes un ministère, mais nous, étant donné que nous sommes un ministère et que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons un groupe Telegram et aussi un numéro sur lequel vous pouvez nous contacter. À travers ce numéro, vous aurez des messages de rappel, mais aussi dans le groupe, il y aura des encouragements, il y aura des messages, il y aura des discussions. Donc, afin de garder cette flamme-là de prière, de consort, et d'amour et de fraternité. La deuxième rubrique, ou l'autre rubrique qui est important dans le ministère, ETS, c'est que Dieu aussi nous a conféré l'aide pour les veuves, les orphelins et les personnes démunies. Ça fait partie du socle même. Les veuves, les orphelins et les personnes démunies. Donc, ça fait vraiment partie du socle de ce ministère. Parce que je crois aussi que l'impact vient aussi au travers des actions que l'on pose. L'impact vient aussi au travers des actions que l'on pose. Dans une prophétie, exemple comme celle du Sénégal, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui dorment dans les rues. Ce serait une particularité pour nous, en tant qu'église, de venir, par exemple, de construire un immeuble à but bénévolat et de mettre les personnes qui n'ont pas des toits dans cet immeuble, de les nourrir et de les loger. En les enseignant les rudiments de Christ, en priant pour les malades, en le faisant, beaucoup de personnes, les musulmans aussi, n'auront plus honte de donner leur vie à Christ en se disant « Ma famille va me renvoyer. » Elles sauront que si je donne la vie à Christ, ma famille me renvoie, j'aurai une autre famille auprès de la lutte. Je serai aussi heureux. Je ne sais pas si vous comprenez l'explication de là où on est en train de parler. Donc, pourquoi je dis ça? Pour que toi qui viens d'arriver, tu ne te dises pas « Mais voici encore un mouvement, voici encore... » Non, on n'est pas un mouvement, on a une vision. On a un Dieu, on a une vision, on a un leader. Et comme on a l'habitude de dire, on va quelque part. Est-ce que quelqu'un peut me dire, on va quelque part? On va quelque part.
Donc, voici un peu ce que j'avais à dire comme annonce par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ici? Tu as été béni. Tu as été béni. Tu es là, tu as été béni. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois que tu t'es connecté ici? Hier, il y a quelqu'un qui t'a invité, qui t'a dit allons, allons assister là-bas. Et c'est la première fois que tu t'es connecté. C'est la première fois que tu assistes au culte avec nous. Première fois. Il y a des gens qui m'ont promis d'inviter, mais qui n'ont pas invité. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes en France. Vous êtes au Maroc. Vous êtes en Tunisie, vous êtes en Turquie, vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Sénégal, vous êtes même au Gabon, vous êtes en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes. Vous connaissez des chrétiens qui, à cause de certaines choses comme vous, ne vont plus à l'église. Invitez-les à ces mots. Vous connaissez des personnes qui ne prient pas le Seigneur, à qui vous pouvez parler de Christ. Vous pouvez les inviter, à ce moment. Au moment durant lequel on va parler de Christ, on va prier pour les gens. Vous connaissez des malades qui sont là à l'hôpital, qui n'ont pas trouvé de solution. Ok. Qui n'ont pas trouvé de solution. Là-bas, on a dit la maladie est incurable. Là-bas, on a dit elle ne pourra plus guérir. D'abord, on a mis beaucoup de choses. Amenez-les à ce moment. Tous les moyens sont bons pour inviter Jésus, pour inviter les gens à Christ. Et le Saint-Esprit lui-même fera le reste. Nous, on parle, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Invitez-les massivement à ce moment. Je crois par la grâce de Dieu qu'ils seront davantage bénis. Et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu comme moi, ou je n'ai même plus envie de vous laisser à chaque fois. Mais avant, je vais prier pour cette personne. Est-ce qu'il y a des malades ici maintenant? J'aimerais que Fleury touche, je crois que c'est Rémi Cap. Là, si elle est là, je vais prier. Est-ce qu'il y a des malades? Là, maintenant, il y a des malades, vous êtes malades. Avant de passer à autre chose, je sais qu'il y a... Est-ce que Fleury est là? On va prier pour les malades de suite. Ok, quelqu'un dit je suis malade. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est malade? On va prier d'abord pour les personnes qui sont là. Pardon? Je ne comprends pas. Vous dites? On a vraiment du mal à vous entendre, madame. J'ai dit, moi, c'est les pieds, ça s'enfle et ça fait très mal. Ok, vos pieds s'enflent et vos pieds vous font mal. Maintenant, là où on passe, c'est enflé, c'est ça. C'est bien ça, c'est enflé actuellement. D'accord. Quelqu'un d'autre? On est là pour ça. Je sais qu'on a. Je vais
prière pour tes abcès, ça va disparaître, mais je vais t'impacter aussi dorénavant, tu seras, je vais te montrer comment faire, comment lever les abcès. Wow! Comment Gladys, qu'est-ce qui se passe avec la santé de votre mari? Shalom, vous faites. Shalom. Il a un problème cardiaque. Est-ce qu'il est alité? Non, non, non. Il prend beaucoup de médicaments, en fait. Il n'est pas alité. Parce que pendant que vous avez dû prier pour la santé de mon mari, je l'ai vu alité. Je vais vous dire quelque chose. L'année dernière, c'était chaud, mais là, ça va mieux. L'année dernière, elle a été beaucoup hospitalisée, mais maintenant, ça va mieux. Je le vois alité. Et pendant que je le vois alité, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ok. Chaline et Métis à gauche. Donc, j'étais en train de dire, je le vois aliter. Et pendant que je le vois aliter, je suis en train de le voir comme vraiment comme malade. Oui. Il est aliter. Oui. Et je vous vois assez. Mais je vois comment. Est-ce qu'on dit son alitement? Allô? Oui? Comment on dit? Bon, en tout cas, je vois comment la période, je ne sais pas si on dit d'alitement, là, on dit ça comment? C'est-à-dire, la période où il est malade, alitement, c'est ça? Oui. En tout cas, où il est allongé, là. Oui. Je vois comment Dieu se sert de ça. Oui. Pour changer certaines choses dont vous connaissez, qu'on a parlé par rapport à votre mariage. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est l'une des nobles, quelqu'un vous avait dit prier. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'ai prié, est-ce que je ne prie pas? Parce que moi, j'ai envie que ça arrive. Amen. Est-ce que vous comprenez le mot de la liste? J'entends un peu mal. Vous entendez mal? Oui. Avant tout. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. La couleur de la voiture de votre mari, c'est laquelle? Il en a trois grises, une blanche. Je vois une blanche, une voiture blanche. Oui. Elle est de quel format? Est-ce que c'est une Toyota? Hyundai, quelque chose. Elle est de quel format? C'est-à-dire double cabine, c'est quel format? C'est un Hyundai, quelque chose comme ça. Je demande, est-ce que c'est une double cabine? C'est-à-dire... Non, non, non. Elle est de quel format, la voiture? Ok, je comprends. Je ne comprends pas. D'accord, je comprends. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas de notion. Oui. D'accord. Je demande ça parce que depuis qu'on est en train de parler, je suis en train de voir une voiture blanche. Oui. Ok. Oui, prophète. Vous vivez dans une barrière? Non. Est-ce que votre maison est dans une barrière? Barrière. Oh, allô? Vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends maintenant. Est-ce que votre maison est dans une barrière? Oui. Est-ce que vous restez dans une villa? Oui, une villa. C'est une villa à étage? Non, non, non. Je vois comme si vous êtes dans une barrière. Vous êtes dans une villa. Mm-hmm. La maison que je vois, c'est comme si elle est haute.
Là, c'est ma maison familiale. Elle est, c'est votre maison familiale. Oui. Mais chez moi ici, chez mon mari ici, c'est une maison basse. C'est une maison basse. Oui, mais c'est dans la villa. Et il y a un endroit où il garde ses voitures. Oui. Est-ce que vous avez un gardien? Non, non, non. On a les gardiens du secteur, ce ne sont pas nos gardiens en fait. Et on a un service en face. Qui a des gardiens. Okay. Votre mari est en train de construire une autre maison ailleurs. D'accord. Non, ça, vous ne savez pas en bien. Non, non. Il y a une deuxième villa, il y a une deuxième maison, mais je ne sais pas si la prête continue nouvelle. Parce que pendant que je parle, je vois comme un projet de construction avec une maison comme dans le sous-sol. Mm-hmm. Ah, maman, depuis là, je parle avec vous. Votre mari a des relations avec la politique de la Côte d'Ivoire. Oui. Et les assurances. Ok, donc je dois faire attention à ce que tu dis alors. Je dois. Donc il y a des gens avec qui je ne vais plus écrire sur WhatsApp ici. Du tout. Ah, maman. Il n'y a personne ici. Ouais. Dites ce que vous voyez, frère. Ce que vous voyez. Je suis en train de voir comment votre mari. Oui. Il est dans les assurances au niveau. Mais je le vois avec. Ok, bon, je ne connais pas. Les assurances, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que ça a trait avec l'économie, l'argent? Économie maçon. Non, non. Oui, non, les assurances ont trait maçon. Avec l'économie, papa. Ça a trait avec l'économie. Oui, 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 oh, papa. Oui. Merci beaucoup. Parce que je suis en train de voir comment votre mari. Oui. Et dans ces histoires-là, mais par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui. Oui, papa. Avance, vous faites. Il y a des élections très bientôt au niveau de la Côte d'Ivoire. Priez pour votre mari. D'accord. Parce que je suis comme en train de voir, je ne sais pas comment on appelle ça en Côte d'Ivoire. Chez nous, au Gabon, on appelle ça conseil des ministres. Mm-hmm. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, oui, papa. Et dans le conseil des ministres, je vois les élections, les histoires d'élus, les nouveaux députés, les nouvelles choses. Oui, oui. Et je vois comme si votre mari a comme le désir de poser sa candidature par rapport à l'un des postes là-bas. Mm-hmm. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Jamais, jamais, papa. Il boude. Il boude. Mais est-ce que... Je sais qu'il a l'habitude de rentrer tard, n'est-ce pas? Oui, papa. Je suis comme en train de voir comme si lui, à un moment, il est rentré vers 4 heures. Oui, oui. Vers 3h, 4h du matin. Oui, le dimanche dernier, la semaine dernière, le mardi, je crois. Et quand il est rentré là, oui. Je vois comme si l'une des voitures qu'il avait utilisées était sale. Oui. Et je suis en train de voir comment. Maman, il faut bien ouvrir l'esprit. Hein. Uh-huh. Et là, on est dans un contexte. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est à côté, donc on peut m'y prendre à n'importe quel niveau. Oui. Pourquoi je vous demande de prier pour votre mari? Parce que votre mari veut entrer dans. Dieu l'a vraiment fait la grâce. Uh-huh. Et la grâce que Dieu lui a fait, c'est au travers d'un contact. Oui, je vois. Parce que avant, votre mari, c'était comme vous l'avez, c'était vraiment compliqué. Et au travers des prières que vous avez eu à faire, et qu'on soit surtout vous qui avez prié pour lui, il y a eu une ouverture relationnelle qui s'est passée par un homme. Oui, oui.
un ami. Oui, oui. Il a ouvert la porte par rapport à certaines choses qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il puisse avoir la main par rapport à la, aux assurances. Aux banques, je crois que c'est comme ça. Mais donc, je suis en train de voir après ça, je vois comment une porte s'ouvre pour lui dans le domaine maintenant, domaine politique. Mais c'est comme quelque chose qui, dans ce domaine-là, en relation toujours avec l'économie, parce que je vois vraiment l'économie sur ses mains. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Maintenant, le lieu dans lequel je dis de faire attention, c'est parce que votre mari n'a pas encore la tête ouverte. Excusez-moi de le dire, il suit trop les amis. C'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, c'est vrai. Vous pouvez être là à la maison. Rappelez-vous. Vous pouvez être là à la maison, vous pouvez vous parler, on l'appelle et puis le suite est dit, je sors. Oui, c'est comme ça. Vous voyez de quoi je parle? Même la nuit, il est capable de rentrer dans des réseaux. C'est vrai. Mais parce que je suis en train de voir comment il commet une erreur. Et il rentre dans certaines choses. Si, vous comprenez de quoi je parle? Je vois. Je vois, papa. Vous avez soupçonné qu'il était déjà dedans. J'ai vu certaines choses, j'ai certaines preuves. Bon, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Non, mais c'est ça que tu as vu là. Je vois les trucs de protection, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne sais pas si c'est ça. D'accord. C'est pas ça, seulement. Pas les trucs de protection, parce que les trucs de protection dont je parle, c'est il y a quelques temps en arrière, il était parti chez un marabout avec des amis. Oui. Il avait ramené des trucs, je crois, je ne sais pas si c'est de la porte, oui, mais oui. Je ne sais pas comment. Il avait ramené des trucs, ce n'est pas ça dont je parle. Après, ça, ce dont je suis en train de parler, c'est le désir pour lui de monter un niveau et on va lui demander des choses à faire comme sacrifice. C'est à ce niveau. Jésus. Et je vois comment. Oui. Et je vois comment il rentre tard dans les nuits parce que les soirs, on va lui demander de faire des choses compliquées. Mais votre mari est un homme que Dieu a choisi. Amen. Alors, s'il ne fait pas attention et ne se résigne pas maintenant, Dieu va le frapper de maladie à tel point qu'il sera allongé au sol. Parce que je suis en train de voir comment il est allongé. Ses amis-là ne viendront pas le voir. Et je vois comment fonctionnement, il faut qu'elle est restée avec lui pendant un moment. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oui, papa. Oui, c'est de ça que je parle. D'accord, papa. Mais en autre domaine, je vois comment il fait un accident avec une voiture blanche. Oh, Jésus. Et l'accident, là, c'est parce que votre mari, en suivant les autres, il a du mal à vous donner de l'argent. Hein? Oui, oui. Mais quand il est dehors, il farote avec l'argent. Ouais. Et c'est à cause de ça là, que beaucoup de personnes vont le tendre un piège. Je déclare qu'il soit protégé au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus. Le nom de mettre en place pour la conversion véritable. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie par la même occasion pour sa santé au niveau du cœur, paix. Mais là où ce monsieur se trouve, au nom de Jésus, je déclare que tu touches sa santé, que tu touches son cœur. Là où je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu restaures sa respiration et tout ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Toutes les personnes malades, touchez là où vous avez mal. L'abcès est confort. Touchez là où vous avez mal. On va prier maintenant. On a largement débordé. On va prier maintenant. Maintenant. On va prier. Tu as mal aux pieds, maman, quand tu touches tes pieds. Tu as mal. On va prier maintenant. Sur la base de cet enseignement, je vous vois maintenant comment vous êtes guéri pendant que je parle. La base de cet enseignement de tout à l'heure, je vois comment vos pieds commencent à se dépomper, à se remettre à l'état initial.
sur la base de l'enseignement de tout à l'heure, sur Paul, pendant que vous touchez avec vos mains droites, l'abcès, ou je crois que c'est ça, cela disparaît au nom de Jésus. Je mets l'adaptation hormonale dans votre corps par rapport à votre environnement, là où vous êtes. Des maux de tête, j'entends que ça disparaît. Quel que soit ce qui se passe maintenant dans votre corps, Père, sans exception, maintenant que là où il y a des malades, que toutes ces personnes soient guéries, que toutes ces personnes soient délivrées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans exception, je libère par la puissance de Jésus-Christ. Je libère par la puissance de Jésus-Christ. Je libère maintenant, pendant que je parle, la guérison. Que les yeux, la douleur disparaisse. Que la tête, la douleur disparaisse. Que les pieds, les douleurs disparaissent et que ça soit restauré, que les abcès, les kystes disparaissent au nom de Jésus. Maintenant, corps, sous l'écho du retentissement de ma voix, j'ordonne la restauration dès maintenant au nom de Jésus. Aussi, que là, à Bapé, où il y avait des anomalies, la normalité se produit. Maintenant, je parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Checkez vos corps, checkez vous avez mal, checkez, checkez. Envoyez-nous des témoignages au travers le numéro que vous connaissez. Lis, check Romika. Regarde où elle a mal, demande-lui de checker où elle a mal. Je vais dire Romika est guérie. On va faire une transfusion sanguine par rapport à Romika. On va changer, on va lui donner un autre groupe sanguin. Il faut lui dire que j'ai dit, elle est guérie. Le sang qui manquait, on ajoute ça maintenant. On ajoute ça maintenant. L'énergie, le souffle qui manquait, on l'ajoute maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir été très patients jusqu'à pratiquement 24 heures, je crois, de France. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi pour notre culte. Et Dieu sera en rendez-vous. Sur ce shalom, sur vous, de là où vous êtes. Et bonne soirée.